Giroud, je suis là, Giroud, et les gars, venez, les Gigi, tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi, allez Rourou, pète-moi le cul, Giroud, on t'aime, tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi, allez Rourou, pète-moi le trou, Giroud, Giroud, pète-moi le trou de balle, Giroud, on t'aime, Gigi, Rourou. Je veux un O, un L, un I, un V, un I, un E, un R, Olivier Giroud, tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi, et les gars, venez, il y a Giroud et Gigi, Olivier, on est là, Olivier, tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi, allez Rourou, Olivier, Giroud, hé Gigi, je suis là, Gigi, un J, un R, un O, un U, un D, Giroud, tous Gigi, tous Rourou, tous Gigi, allez. Depuis 6h du matin avec mes potes, on est devant Clairefontaine, on attend l'apparition de notre héros, le seul, l'unique, notre exemple, notre modèle, Olivier Gigi, Olivier Rourou, Olivier... Eh les gars, il est là les gars, venez, Gigi, et Rourou, Gigi, tous Gigi, tous Rourou, et les gars... One right on Giroud's head, in by Alonso, and Giroud, what a finish! Laisse-la tranquille, elle n'est pas intéressée, laisse-la, allez, on doit rentrer, on rentre. Non, elle a un copain, d'accord, tu la laisses. Elle n'est pas intéressée, je te dis, elle n'est pas intéressée, voilà. Non. Laisse-la tranquille, elle n'est pas intéressée. Tu la laisses tranquille. Non, t'inquiète pas, cette gars, je te couvre. Non. Allez, on doit rentrer. Allez, on rentre. Vas-y, vas-y, je te couvre. Vas-y, commence à partir, je te suis. Non, elle n'est pas intéressée, elle a un copain. D'accord. Non, et tu ne l'intéresses pas. T'es pas son style. T'es pas son style. Moi, je connais... Oui, c'est bien, vas-y, je te couvre. Vas-y. Quitte-le. Quitte-le, ce chien. Il te mérite pas. Ouais. Je t'en fous des mecs. Quitte-le, je te dis. Quitte-le. C'est fou quand même, hein. Tu as ton téléphone en main toute la journée. T'as personne qui t'appelle. Il suffit que tu le poses 5 minutes. Tu reprends ton téléphone. Personne t'a appelé. Voilà. Jvonik. You are a pute. The big pute of the world is you. Is you. Il y a combien là? 5 kilos. 5 kilos. Avec le zboob, je la soulève la barre. La vie de ma mère avec le zboob, frère. Je sais pas pourquoi j'ai tous ces gants de boxe. Oh là, les frères. Un banc de musculation. Moi, il me faudrait un banc de masturbation, moi. J'ai équipé une salle de sport à la maison. Juste pour venir prendre une photo et mettre en titre work. Voilà. Work hard. La vie de ma mère. J'aime trop faire ça, les gars. Voilà, c'est tout. Juste prendre la photo, marquer work hard. C'est tout, je fais même pas de sport, après je repars. La plupart des meufs qui font du sport, elles travaillent que une partie de leur corps. Que le fessier. Que le cul. Elles s'en foutent de tout le reste. Voilà. Va dire à une meuf, tu fais du sport, c'est pour ton bien-être. Hein, c'est pour avoir un bon souffle. Ah non, non. Pour avoir un bon cul. La vie de ma mère, elle... Ma mère, les meufs, elles musclent que leur cul. Elles connaissent que un exercice de sport. Voilà. Les squats. C'est tout. Lui parle pas de abdos, lui parle pas d'endurance. Elle... Elle s'en bat les couilles, frère. Que le fessier, QLF, elles sont. Voilà. Si elles pouvaient faire des tractions avec leur fessier, elles feraient. Leur cul a des abdos à la fin, c'est un truc de... Mais les meufs qui ont le plus beau fessier, c'est les meufs qui mettent une veste autour de la taille. La vie de ma mère, les meufs comme ça, ça c'est l'élite. Voilà, les gars. Classe business, classe Inès. Les meufs, tu sais qu'elle a quelque chose à cacher, un gros potentiel. En mode, j'ai tellement un bon cul que tu le verras pas gratuitement. Non, faut le mériter pour le voir. Ça oui, les gars. Et la meuf moche, avec son gros cul, la vie de ma mère, c'est un humeur. Voilà, son cul, c'est la plus grande que la Suisse. Son boule, gros legging, il se chamboule de droite à gauche, telle une pendule. Voilà, tel un skatepark. Voilà, skatepark là, les skaters qui sautent comme ça. Oh là les gars,
plus la meuf, elle est bonne. Enfin, elle est bonne, ça se dit pas. On dit une personne avec des atouts physiques. Ouais. J'ai rien dit de mal. Voilà. Plus la meuf, elle est fraîche, elle a un bon boule, plus elle le cache. La veste autour de la taille, les meufs se reconnaîtront. En fait, les gars, je suis pas nul au pari. C'est juste que j'ai la poisse. Voilà. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Fuji, la super bonne meuf, elle va toujours mettre une veste autour de la taille. Et souvent, ces meufs-là, voilà, elles prennent des cours de self-défense. Vous savez ce que c'est, voilà? C'est les cours pour apprendre aux femmes à se défendre seules. Mais tu vois, le prof, c'est un putain de mytho. Le prof, il est là. Alors écoute, tu sors du travail, t'es sur le parking, il fait noir, les lampadaires sont éteints. Il n'y a personne autour de toi, tu n'as pas ton téléphone portable. Il y a un mec qui s'approche de toi avec un grand couteau. Il te met un coup de couteau. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes deux doigts, tu lui pinces le nez comme ça. Mec, à partir de là, il ne respire plus. Avec ton pouce, tu lui mets dans l'œil. Là, il ne voit plus. Et avec ton autre doigt, tu lui mets dans l'œil. Et là, il est maîtrisé. Là, il ne peut plus rien faire, là. Tu vois? Et à la fin, tu tires vers le bas. Comme ça, coup de genou, bam, il tombe par terre et tu peux y aller et t'es sauvé. Voilà. Bande d'escrocs. Combien de meufs ont dû se faire. Juste faire finir à cause de ça, frère. La meuf, elle est là, le mec, il arrive avec un calibre, elle lui fait ça. Voilà, lui fait ça, miskin. Force aux meufs, les gars. C'est des arnaques, ces cours-là. Les amis, suite à de nombreux paris perdus, je me vois dans l'obligation de vendre le survêtement à mon fils. Gucci, il a jamais mis un corps, il est neuf. Voilà, les gars. S'il y a quelqu'un intéressé, ton prix, c'est le mien. Ça, c'est vraiment la phrase quand t'es au fond du trou. Ton prix, c'est le mien. Propose. Marre de perdre tous mes paris, la team. Marre. Tout le temps, je perds. J'en peux plus. C'est la fin. Adieu, la team. Ah. Les amis, il faut un petit coup de propre. Ça va pas. Hein. Regardez, il y a des plantes qui poussent sur mes joues. Oh là. Oh là, un haricot magique. Jacques est le haricot magique. Il va grimper jusqu'au ciel. Oh là. C'est des gens qui viennent te chauffer. Oh, j'ai entendu un truc sur toi. Ça m'aurait pas plu, gros connasse dit. J'ai entendu ça sur toi, ça m'aurait pas plu. Vous savez ce que je réponds à ces gens-là? Je dis quoi au mec qui vient me chauffer? Je dis, oh, et toi frère, tu sais ce que j'ai entendu sur toi? Il me dit quoi? Rien. Le néant, le vent, le mistral. Oh là frère, le blanc, le vide. Le vide, mon frère. J'ai rien entendu sur toi, c'est encore pire. Oh là, frère. Les gens, j'ai entendu parler sur toi. Toi, j'ai rien entendu sur toi, frère. C'est sûr que tu fais rien, on dira rien. Oh là, frère. En fait, on est dans un pays, les gars. Enfin, dans un pays, je sais pas, ça se fait dans d'autres pays aussi. Il y a des gens, ils essayent rien. Oh là, ils attendent que des amis à eux, ils essayent des choses, qu'ils se plantent et ils se moquent d'eux. T'as vu? T'as vu, lui? Son commerce, il a pas marché à lui. Qu'est-ce qu'il a cru? Mais c'est normal aussi. T'as vu où il s'est mis l'emplacement? C'est pas bon, frère. Il serait mis de l'autre côté du tunnel. Eh oui, ben, non, je... Merci, Khoya. Bon appétit, Khoya. Merci. Là, je suis le seul mec de France. Je sors du coiffeur. Je suis encore plus laid qu'avant que je suis rentré. Oh, c'est incroyable. Voilà, je ressemble à un front. La vie de ma mère. Les meufs qui font la frange, bande de frangipanes. Les meufs qui font la frange, voilà, c'est pour cacher leurs grandes oreilles. Il y a toujours un bout d'oreille qui dépasse. La vie de ma mère. Les amis, comme vous savez, je fais que perdre mes paris. Quand je perds mes paris, je perds confiance en moi. Je perds le goût des aliments, voilà. Légère toux, la vie de ma mère. Grosse fatigue, voilà, que perdre un pari, c'est les mêmes symptômes que le Covid. Voilà, tu sens plus le goût des aliments, c'est le dégoût, frère. La vie de ma mère. Voilà, ce soir, je gagne mon pari, les gars. La vie de ma mère, ça va changer. Vous allez voir, j'ai trouvé une technique pour être sûr de gagner. J'ai pas le choix, les gars, je suis obligé de passer par là. Je rêve d'écraser une télé avec ça. Il y a du monde autour de moi, mais je me sens seul, c'est perso. Alors moi, la base, c'est celui-là. Là. Ouais, le blanc de blanc, ouais, celui-là. Le bleu de bleu. Ouais. Tu finis bleu avec ça. Ouais, c'est clair. Ouais, si tu en as combien de temps en bois. Vous en avez beaucoup là en stock? Ouais, j'ai deux cartons.
Je vous prends tout. Tout ? Ouais. Ok. Carton de combien ? De 6 bouteilles à chaque fois. Bon, après, t'as, généralement, c'est des whisky des États-Unis. Non, parce que je savais, j'ai jamais su pourquoi on disait le scotch ou le whisky. Donc, tout ce qui est scotch, c'est écossais. Ouais, c'est ça. Voilà, je m'ai appris quelque chose. Je vais dormir moins con aujourd'hui. Parce que je suis pas mal con déjà, tu vois. Ça me fait du bien. C'est très bien ce qu'il y a dans le sac. Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponses.